quelle humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il lui suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à l'heure. De lui en coûter autre chose que de l'argent. C'est là aussi comme il entend quand tout bien et quand tout tonnerre. Je veux bien le croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins va contribuer encore à faire d'être notre amitié. Et nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même fortune. Hélas, pourquoi faut-il que de justes appellations se trouvent traversées ? La douce chose qui donnait lorsqu'on ne voit pas d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez ? La tranquillité en amour est un... Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit si plaisant du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. S'il baisse, on la quittera, lui, aussi bien que moi. De quoi diable te mets-tu en peine ? De quoi diable te mets-tu en peine ? C'est que je vois que, sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. C'est de mon dos que tu parles et non du tien. Il est vrai que tu le mettras de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira.